Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 23e podcast de notre chaîne et allez, on va dire le premier podcast allez, de la saison 2. On s'était quitté sur la preview des finals entre les Suns et les Bucks. Donc avec, comme vous le savez tous, la victoire des Bucks dans ces finales. Et on n'a pas fait de podcast sur la draft parce que on se prétend pas être expert en NCAA cette année. On n'a pas trop regardé, je crois qu'on n'a quasiment pas regardé du tout d'ailleurs entre nous. Et on vous conseillera plutôt d'aller voir, si jamais ce n'était pas déjà fait, le travail de ce que peut faire Envergure, par exemple, qui avait fait un podcast très complet et très long sur la draft. Donc on va pas revenir sur les picks qui se sont passés, qui ont été faits ce soir-là. On connaît de tête un peu le profil des top picks, mais ça s'arrête là. Donc on arrive tout de suite sur la Free Agency. À l'heure où je vous parle, où nous allons vous parler, on est le mardi 3 août et il est 22h. Donc, si quelques deals entre le moment où cette vidéo sera publiée et l'heure à laquelle on enregistre, parce qu'il y en aura sûrement dans la nuit qui se profile, on ne pourra pas en parler parce que ben voilà, on ne sera pas au courant. Aujourd'hui, nous ne serons que deux, puisque nos acolytes Pop et Doc ne sont pas disponibles. Donc, je vais seulement dire bonjour à Réa. Ah bah salut, ça te va? Voilà, donc un petit tête-à-tête pour un programme bien chargé. En plus, c'est parfait que tu sois là parce que on va débriefer cette première journée de Free Agency. Première journée, premier début de soirée. Et bah, l'équipe la plus active du marché, c'est Chicago. Alors, à l'instant même, Chicago vient de deal pour DeMar DeRozan, qui re-signe pour un montant de 85 millions sur 3 ans. Sign and trade donc avec les Spurs, échangé contre Thaddeus Young, un premier tour de draft et deux seconds tours, plus, je présume, la trade exception qui a été obtenue dans le deal de Daniel Tice aux Rockets, parce que financièrement, Thaddeus Young, DeMar DeRozan, ça passe pas sinon. Donc je crois que la trade exception est à 8 millions et quelques, Thaddeus Young il gagne 14 millions, voilà, ça fait le salaire de DeMar DeRozan. Donc ça, c'est ce qui vient de tomber. Et la grosse bombe de la première nuit, c'était Lonzo Ball, qui a été obtenu, enfin lâché gratuitement par les Pélicans, on va en parler, puisqu'il arrive aux Bulls contre Garrett Temple, qui est re-signé à 15 millions sur 3 ans, 2 années garanties, Thomas Satoranski, et un second tour de draft, si je ne me trompe pas. Un ou deux, je sais Je plus. crois que c'est un second tour de draft. D'ailleurs, j'ai dit Thaddeus Young plus la trade exception, mais ce sera peut-être Alpharo Camidou. On aura peut-être l'info dans quelques minutes. J'y ai pensé, niveau salaire, ça passe. On verra bien. Bah, du coup, je te lance direct. Hein. Écoute, c'est ton équipe, c'est ta franchise, c'est ta free agency. Les Bulls, on va commencer par les Bulls. Tu le sens comment? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Déjà pour DeRozan, il me semble avoir lu moi que c'était Thaddeus Young aussi. Ce qui fait que bah, justement, on m'aurait demandé il y a une demi-heure, j'aurais dit mais jusque-là tout est parfait. Merci le FO complètement débile des Pels. Hein, en même temps, je crois qu'il y a Gar Forman là-bas. Ça explique peut-être. Mais là, j'avoue que le move de DeRozan, je comprends pas trop. Bah, enfin, on va y revenir après, mais bah, voilà, on avait un problème de meneur. C'est réglé. Je sais pas comment il a fait pour que les Pels acceptent. Hein. Même les Kings auraient dit non. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. J'ai dit pendant, ça fait combien de mois que je dis il y aura pas de sign and trade pour Ball, c'est pas possible, ils accepteront pas. J'ai l'air con, c'est pas grave. Derrière, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on laisse partir Tice, mais comme on a obtenu une trade exception, bah finalement c'est pas si mal que ça. Hein, même si moi je l'aime bien, j'aurais bien voulu le garder. Caruso, c'est pas mal, ça joue bien pour renforcer le banc. Le deal est pas trop énorme, il est pas trop long non plus. Enfin, pas trop. Par rapport à la somme globale du contrat, c'est pas gênant qu'il soit un peu long. C'est un contrat qui se refile assez facilement si Oui, besoin. c'est un bon joueur Caruso sur le banc, avec son Voilà. intelligence de jeu, sa défense, c'est un bon joueur. Donc après, voilà, là, je vais te dire ce que j'en pensais avant le trade de DeRozan, c'est que on fait progresser le groupe, c'est parfait. Alors certes, on est un petit peu léger à l'intérieur, mais dans tous les cas, pour moi, la saison risquait d'être, enfin risquait, aurait probablement été meilleure que la précédente. Et si ça cliquait comme il fallait avec Lonzo qui progresse encore, Lavine qui continue à progresser, etc., etc.
On pouvait même être les Knicks de la prochaine saison. Si tout se passait bien, je ne veux pas non plus trop m'enflammer. Oui. Mais voilà, c'est, on va dire, un range entre 4 et 9 de mon point de vue. Mais là, avec le move de DeRozan, bah, je comprends pas trop parce que, surtout s'il s'avère que c'est bien Yang qu'on envoie, Bah, parce que. le Woj a dit que c'est dit là actuellement que c'est Woj, c'est Thaddeus Young et Alvaro Camilo et les picks que j'avais cités. Donc deux joueurs sont envoyés apparemment. Et donc, on garderait la trade exception. La trade exception du coup serait conservée. Hein? Et dans ce cas, pour la, ça explique que pour l'instant, on est la qualifying offer Markkanen. sur Markkanen et peut-être pour un futur sign-and trade. De toute façon, il y en a de partout cette année. D'habitude, il n'y en a jamais. Peut-être que vous allez carrément le garder, hein, au final, vu comment ça se profile, parce que là, on est sur un effectif qui... Oui, après, faut il faut qu'il signe sa QO et on en discute avant tous les deux. Il y a quand même le risque. Une plus petite franchise s'aligne enfin Bah... s'aligne mettre une grosse somme sur laquelle on s'aligne pas Ouais, c'est possible, puis surtout... après et c'est ça qui explique aussi qu'il y a autant de sign and trade cette année, c'est que peu d'équipes ont du cap. Je vois pas, clairement pas à New York qu'on avait beaucoup se faire chier avec ça. Pop va nous faire une dépression si on s'il signe aux Spurs, donc les Spurs vont pas lui proposer. Moi, ça, j'en sais rien, mais je vois pas du tout le fit entre ces deux-là. Donc, ouais, oui, peut-être que par dépit, il prendrait la queue. Je pense qu'il doit encore nous manquer un trade. Et peut-être qu'avec le trade qui nous manque, j'en arrive à dire que oui, bah, finalement, très bon move d'aller chercher DeRozan, excessivement bien joué, Monsieur Karnisovas. Et voilà, pour l'instant, je débite un petit peu sur celui-là. Parce que là, on a Vooch, on a Markkanen, on a Patrick Williams qui peuvent jouer à l'intérieur. C'est tout. Et c'est tout. C'est tout. DeRozan en 4, il fait quand même 1m98, hein, donc je pense qu'il va pas dépasser le poste 3. Enfin, je préfère. Si, on a Troy Brown qui pourrait peut-être jouer en 4 Ouais, undersize, il est petit pour un mais il est 4. petit aussi, Non, donc. je pense qu'il y a soit le projet c'est de ramener Markkanen peut-être sur un deal pas très cher ou sur la QO. Mais à mon avis, il reste forcément quelque chose derrière. En tout cas, il y a des idées dans le FO des Bulls. Parce que, bon, déjà, tu as des Young, mais surtout Alvaro Camino, qui, même s'il est complètement cramé, ça reste un 3-4, enfin, un mec qui pouvait jouer à l'intérieur. Même lui, tu t'en es séparé. Après, je suis d'accord que, bon, déjà, moi aussi, Lonzo Ball, j'y croyais pas. Je suis le premier à l'avoir dit haut et fort, un peu partout, que j'y croyais pas. Parce que. Pour moi, le principal problème des Pels à la base, c'était leur salary cap, qui a été bien nettoyé avec Bledsoe et Adams. Et à partir du moment où ils n'ont pas eu Kyle Lowry, je me dis ils allaient garder Lonzo Ball, quitte à. Même s'ils n'en ont pas Même forcément si envie, surpayé un peu, ouais. même s'ils surpayent un peu, et au pire, ils peuvent le revendre plus tard dans la saison ou la saison d'après, ils sont pas non plus dans Ils l'urgence. peuvent même nous le revendre 6 mois après pour bien plus cher que ce qu'ils ont obtenu. Voilà, en fait, ils en ont vraiment rien tiré. Enfin, là, il est donné gratuitement. Je veux dire, parce que à ce compte-là, j'ai presque envie de dire à la place des Pélicans, mais franchement, mais laissez-le carrément signer aux Bulls, vous alignez pas, et vous gardez du cap, parce que Thomas Satoranski qui bouffe 10 millions, j'aime bien Satoranski, mais bon, ça reste un backup dans la ligue. Si ton projet c'était de recruter un meneur de jeu plus cher, style Kyle Lowry, style peut-être Spencer Dinwiddie. Bah, tu récupères pas 10 millions de Satoranski et 5 millions de Garrett Temple. Bon, on va mettre un tout petit peu les Pels de côté parce que on va en reparler. Mais pour rester sur les Bulls, du coup, bah, bénéf pour vous. Oh, Lonzo Ball, c'est. Voilà, c'est. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est pas un All-Star en puissance, mais il progresse tous les ans. Son shoot s'améliore. C'est un bon Ah distributeur. C'est un très bon peut-être qu'il défenseur. sera All-Star dans quelques années, C'est ça en c'est tout plus. le mal que je lui souhaite. Le C'est fit. un bosseur, moi j'ai pour ça que je l'aime bien. Ouais, c'est un bosseur et le fit avec Lavine est bon. C'est un très très bon défenseur sur le back-court. C'est un grand joueur donc il peut quand même défendre quand même pas mal de postes, pas mal de joueurs. Voilà, Et c'est il est tout. bon en création, et ça c'est même sa principale qualité avec sa défense. Exactement, sa création elle est Voilà. bonne. Tout le monde lui a tapé dessus à cause de son père.
Le pauvre gamin, il m'avait rien demandé, mais tous les jours, il prouve qu'il a sa passe en NBA. C'est ça, c'est exactement ça, le père, mais de toute façon, a mis des pressions surtout sur Lonzo, hein, le premier. Même c'est un très bon rebondeur, voilà, hein, comme les Bulls risquent de jouer un peu underside cette saison, je pense. C'est aussi un atout d'avoir un meneur comme ça qui est agressif sur les boards et qui peut en prendre, qui sait se placer. Après, voilà, Oui. clairement, moi aussi, là, je vois DeRozan là, qui vient de tomber, et c'est vrai que je comprends pas parce que. Je me dis qu'est-ce que DeRozan apporte en tant que joueur. Bon, c'est un bon shooter à mid-range, assez efficace pour que tu lui tapes pas sur les doigts d'en prendre, parce qu'il est vraiment efficace à mid-range quand même. Et c'est un très bon créateur. Et là, Et c'est un défenseur correct. voilà, c'est un défenseur correct, mais bon, voilà. Pour moi, ce qu'il apporte aujourd'hui dans ses plus-values, parce qu'il a pas de shoot extérieur, c'est surtout sa création. Et là, je me dis, mais la création de DeMar DeRozan avec Lonzo Ball. Avec Zach Levine, avec Vooch qui est un bon passeur à son poste, avec Kobe White qui sera sixième homme cette année, je pense, et qui, bon, c'est pas un grand passeur, mais c'est un mec capable de relativement créer. Bon, la plus-value de DeRozan sur la création, je commence à l'avoir de moins en moins. Disons qu'il peut toujours Kobe White est surtout un bon créateur en drive and kick. Ouais, voilà, mais bon, la plus-value de la création de DeRozan, je suis un peu intrigué parce que t'as déjà. Deux joueurs en tombe à courte qui sont très bons pour faire jouer les autres. Je sais pas trop. Le fit qu'ils ne shootent pas. En fait, je pense qu'on. Après, est-ce que Donovan, je me souviens, son parcours universitaire est trop loin pour que je m'en souvienne, surtout que je suis pas un de ses plus grands fans à la base. Mais est-ce que à la fac, il aimait pas jouer avec justement un maximum de créateurs sur le terrain et qu'il voudrait rechercher un petit peu ce jeu qu'il avait à l'université? Parce que je sais qu'il était beaucoup plus coté que maintenant en arrivant à OKC. Je me souviens quand il arrivait à OKC où ah, on va enfin voir un petit peu du niveau tactique, ça va jouer, ça va. Ouais, c'était un grand Ah, je... tacticien normalement. Après, c'est vrai que je me souviens pas Je des sais pas, ça effectifs m'a pas NBA. frappé en NBA pour l'instant. Non, 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 non. Mais après, je me dis, il y a peut-être une volonté de jouer par exemple avec. Je me dis, le 5 de départ, ce serait Lonzo, Levine, DeRozan, Patrick Williams et le Vooch. Il y a un intérêt par exemple dans ces situations où tu as DeMar DeRozan, ballon en main, et en fait, tu as 4 joueurs qui stretchent à côté de lui. Ce qui peut mettre en lumière ses qualités de drive et ce qui peut mettre en lumière ses qualités de création. Et peut-être que le plan pour Billy Donovan, ce sera d'avoir toujours soit Lavine, soit DeMar DeRozan sur le terrain pour avoir cette création et ce four out, on va dire, pas five out, dans ton équipe. Après, j'ai le sentiment que Lonzo et DeMar, ça fait un de trop. Mais bon, de toute façon, on peut pas savoir ce qui va se passer sur le terrain. Et surtout, c'est à peu près sûr que les Bulls n'en ont pas fini là. Il y a un manque dans la raquette, évident. Il reste des moves, je ne sais pas lesquels, mais il reste des moves. Ouais, c'est. Mais voilà, c'est pour ça que, comme je disais au début, bah, ça me laisse un peu circonspect pour DeRozan. Après, moi, j'adore le joueur. Hein, je suis content de l'avoir sous nos couleurs. C'est un bon gars qui se défonce. Ça, il n'y a pas de souci. Oh, j'aime bien DeRozan aussi, clairement. Mais de toute façon. Je crois que c'est. Je sais plus à qui j'avais dit ça, mais le truc avec DeRozan, c'est que de toute façon, avec son jeu aujourd'hui, c'est un mauvais fit dans 30 des 30 équipes NBA quasiment, parce que c'est pas un shooter. Quoi qu'il arrive, dès qu'il va arriver dans une équipe, tu vas dire, ah mais il shoot pas, du coup le fit. On est dans une ligue de shooters que le simple fait qu'il ne shoot pas, instinctivement, tu vas trouver que c'est un mauvais fit dans tellement d'équipes au final. Sauf à le déporter en 4, comme tu disais avant qu'on enregistre. Mais je trouve undersize en 4. Moi je pense que c'est probable, hein. Il a pas mal de touchés de 4 au Spurs cette année, à côté du Vooch qui a un aspirateur à rebond et de Lonzo qui a un meneur très débrouillard au rebond. Même Patrick Williams, je crois, il est pas du tout mauvais dans l'exercice. Ça me choquerait pas au final hein, de voir cette line-up 4 small et un big comme ça. Ouais, mais on n'a aucune défense intérieure hein, dans ce cas-là. C'est. Ouais, c'est le Je problème. sais que Demar défend correctement, mais il défend correctement sur les postes 2-3. Oui, et puis Sur les t'as. postes 4, ça commence à être plus limite, et j'adore Vucevic, mais Vucevic, pour peu que tu ailles un peu vite, c'est facile de s'en débarrasser. Oh oui, il est trop lent, Vucevic. Écoute, on verra bien comment ça va se goupiller. En tout cas, ça donne une équipe potentiellement vachement intéressante qui va être amusante à suivre, je pense, cette saison. On verra Oui, dans. voilà. Après, faudra pas que. Enfin,
Après qu'on fasse comme les fans de New York pendant 20 ans, si ça clique pas tout de suite, de hurler, de vouloir virer tout le monde. Là, l'effectif, on l'a nettoyé du sol au plafond, il va falloir un peu de temps pour que ça prenne. Bon, c'est vrai, je sais que je suis premier à rager contre Donovan, mais laissons-lui le temps de mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Voilà. Ça peut vaut peut-être mieux faire 9e cette année et 4e les 3 années suivantes que et voilà. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Alors, je nuancerais peut-être un peu plus à cause du trade de DeRozan, mais voilà, c'est notre range cette saison pour moi est entre 4 et 9, et bah, selon quand est-ce que ça cliquera. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va se battre un peu plus, ça va. Des têtes qu'on n'avait plus envie de voir, mais dont on a réussi à se débarrasser. Donc, dans tous les cas, même si ça clique pas autant qu'on veut, ça va être super cool à regarder. Et je comprends ceux qui sont sur le forum et qui disent, putain, je suis hypé, je suis saucé. Ouais, moi c'est pareil. Même si j'ai toujours la peur que ça clique pas autant que je veuille, ouais, je pense que le premier match de la saison, je le regarde en direct. Ouais, de toute façon, Bon, on va. sauf si c'est sur la côte ouest et qu'il est 5 h du mat. Pas déconner, je bosse le lendemain quand même. Toute façon, on en reparlera des Bulls un peu plus tard dans l'off-season avant que ça commence. Parce que voilà, je pense qu'il y a d'autres moves qui vont arriver. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Pour aller de l'autre côté du trade principal, enfin, on va voir les deux, on va parler des Spurs aussi du coup. Pour aller du côté des Pelicans, donc qui donc lâchent Lonzo Ball presque gratuitement, hein, on peut le dire. Et de l'autre côté, ils envoient un first pick protégé. J'ai pas la protection en tête, je sais pas si elle est sortie, mais un first pick protégé aux Hornets pour Devante Graham qui est re-signé sur 47 millions sur 4 ans, si je me trompe pas. Ah, bravo, masterclass à l'envers. Ben. J'ai pas d'autres mots. Je sais pas quoi dire non plus parce que Devante Graham, déjà à terme, c'est un sixième homme, clairement. Oui. C'est pas un titulaire, c'est un pétard ambulant de sortie de banc. Le mec, dès qu'il a la balle, il shoot. Ses stats en assist, elles sont quand même un peu en trompe-l'œil. Parce que je crois qu'il a une première saison rookie, enfin, sophomore à 7 passes et quelques, je crois. Faut faire attention parce que Charlotte, ça jouait très très vite, ça pushait beaucoup la balle sur le terrain. Ça a pas mal boosté. C'est pas un grand créateur. Ouais, de toute façon, cette saison-là, c'est pas la saison où on dit à Batum, joue en 4, prend 15 kilos et qu'il n'arrivait plus à suivre. Oui, c'est cette saison-là. De toute façon, Devante Graham, on va dire, allez, on va dire, c'est un peu un Lou Williams, c'est-à-dire qu'il est capable de créer un peu, mais c'est un scoreur, c'est un shooter. Et je vois pas comment tu peux en faire ton titulaire, ou alors à moins que le projet soit de faire start Satoranski et potentiellement soit Josh Hart, soit Nickel Alexander Walker à l'arrière. Et de faire sortir Devante Graham en sixième homme, je sais pas. Dans tous les cas, c'est un downgrade clair et net par rapport à Lonzo Ball parce que ben Graham ne fait rien de mieux que Lonzo. Peut-être marque un peu Si, peut-être le mieux. 3 points. Ouais, le 3 points, mais encore, franchement, Lonzo, il a sorti une belle saison l'an passé sur un volume quand même vachement intéressant. Oui, aussi, Graham mais. intrinsèquement est un meilleur shooter, mais il prend tellement de shoots de merde et tout, il shoot tellement tout le temps à 3 points que ses pourcents sont vraiment pas beaux. Enfin, c'est des pourcents de la moyenne de la ligue. C'est marrant, je connaîtrais pas Graham, avec une définition comme ça, je te dirais, tu me parles de Clarkson, là? Ben, le Clarkson de cette année, franchement, c'est Devante Graham avec des pourcents un peu plus soyeux parce que c'est. Le nombre de matchs du Jazz que j'ai regardé où j'ai jamais à chaque fois. Ah ouais, non, mais mais c'est le même style de joueur. C'est des mecs qui balle en main, ils shootent quoi. Ah oui, Et. j'en peux, on a toujours eu des comme ça, C'est comme ça. Charlotte avait Malik Monk C'est exactement ça. De toute façon, les Pels, là, je comprends pas dans quelle direction ils vont. Je vois pas ce qu'ils veulent faire. Après, ok, Devante Graham, il est quand même signé pas très cher. C'est un bon deal, on peut le dire. C'est un bon deal. C'est un très bon deal. Le premier tour un peu cher, non, par contre. Mais bah, du coup, tes ambitions l'année prochaine, elles sont un peu nébuleuses. Tu vas pas être au niveau, peut-être fin de play-in, tout juste. Tu seras pas dans les plus nuls. On avance petit à petit vers une nouvelle saison un peu en eau morte, un peu perdue comme ça, des Pélicans. Et voilà, c'est pas le marché le plus attractif, hein, ils l'ont remarqué je pense cette année, parce que Kyle Lowry, hop là, je pense qu'à aucun moment il a été intéressé par les Pels. Je. Après, j'ai envie de dire, à un moment, il y a le karma aussi.
Tu peux pas avoir et Gar Forman et comment il s'appelle l'ancien GM des Cavs Griffin. et Griffin dans ton faux et espérer que ça se passe bien quoi. Bah, Je suis franchement, désolé. mais je suis déçu parce que Griffin au Cavs, il avait pas été mauvais. En plus, il avait fait c'est lui qui a fait les bons deals de 2016 pour le titre et tout. Il avait pas trop mal ajusté le roster. Et Ah, mais attention, faire des bons deals quand t'as déjà tout en main bah, c'est ça. et le droit de faire péter le chéquier, c'est pas la même que faire un deal dans un Ben, petit c'est ça. marché. Là, c'est son premier gros, vraiment gros poste où il y a un chantier et ça partait pas trop. Franchement, le deal de Bledsoe et Adams, enfin, il est génial ce deal. Il lâche un pick 10. Bon, voilà, c'est un pick 10. C'est pas dans leur projet. Il récupère Valanciunas qui est un bon pivot. Et il lourde, mais Bledsoe et Adams qui était surtout Bledsoe qui était un gros boulet la saison passée. Et Ouais, clairement, ça va le Adams, faire du c'est plus bien. qu'il fitait pas bien avec Voilà. Zion. Adams, il fitait pas bien, mais Bledsoe, c'était un boulet. Enfin, c'était pas possible. Le niveau de ce joueur l'an passé était catastrophique. Ça leur faisait du bien. Et là, vraiment, pour moi, c'est la déception de downgrade comme ça. Si l'objectif, c'est de perdre Zion dans 4 ans, ben ouais, Zion, il va demander son transfert dans 4 ans à ce rythme-là. Après, c'est dans longtemps, on verra, hein. Si ils nous refont un truc aussi magnifique, genre la trade deadline, moi je veux bien Zion nous faire une Monroe. Hein, si tu vois Carrément? ce que je veux dire par là. Tu penses carrément? Ah bah. En tout cas, moi à sa place, c'est ce que je ferais. Un moment. Je doute pas qu'il adore la Nouvelle-Orléans et qu'il serait très content d'y faire toute sa carrière Ouais. et d'avoir plein de titres avec eux et tout ce que tu veux. Mais à un moment. Si t'as un front office aussi incompétent, bah tu prends le risque de. Après, oui, c'est vrai qu'il est plus sujet aux blessures que d'autres. Est-ce C'est que toujours ce risqué de joueur-là faire ça. Hein. aussi, c'est risqué. Mais il sait, voilà, sauf blessure catastrophique, c'est très bien qu'il a un contrat max dans tous les cas. Après, Sais pas. C'est ça. des risques que je vois pas pour l'instant un joueur prendre, mais ça reste une possibilité. Peut-être que ça arrivera un jour. Peut-être que ça arrivera un jour, voilà, de prendre, ne pas re-signer, prendre une QO et se barrer en free agent non restreint. C'est possible, hein. Même si j'y crois pas. Monroe l'a fait, mais Monroe, il manquait un peu de talent, quoi. Oui, un peu. Mais bon, voilà, donc, Monroe, encore un qui va regretter. De pas avoir pris une offre, ouais. Ça me rappelle un certain un Finnois à Chicago. Combien qu'on lui avait proposé? 15 millions, je crois. Ouais, c'est un truc à 15 millions l'année, je crois, hein, sur... Ah non, je veux 20. Ouais, Ah, c'est... là, il va prendre 20 sur 4 ans. Oui, bah, peut-être Et même. voilà, 20 millions 4 ans, pas 80 millions 4 ans. Enfin bon voilà, les Pels c'est un peu nébuleux, que ce soit, enfin pour moi, pour toi c'est un peu nébuleux. On verra d'ici la fin de la free agency s'il arrive à nous faire changer d'avis, mais moi perso j'en doute un peu. Faudrait déjà faire revenir Josh Hart déjà, je sais pas à quel montant il va revenir, mais il faudrait déjà le faire revenir. Ou alors, à moins qu'ils aient décidé de tanker comme des porcs cette année et de repartir de l'avant dès l'an prochain. Je sais pas. Mais je t'avoue que je vois pas qui. Ouais, ils se sont tellement mis dans la sauce, ils vont mettre des années à en sortir, je pense. Pour aller de l'autre côté du spectre, comme on dit, au niveau des deals, on va parler des Spurs un peu du coup, qui viennent donc de lâcher DeMar DeRozan et de récupérer rien de très concret. Les Spurs qui ont aussi laissé partir Patty Mills, j'ai oublié où est-ce qu'il a signé, mais il est bien parti. Il est au Nets, non? Mills, je crois que c'est Nets, ouais. Je crois que c'est au Nets, hein. Il est parti au Brooklyn Nets. Nets, 2 year deal, 12 millions. Voilà, il est parti au Nets. Ils ont fait venir Doug McDermott, 42 millions sur 3 ans. Et Zach Collins, le plus surprenant, à 22 millions sur 3 ans, 7 millions l'année. Pour un mec au dossier médical, quand même bien, bien, bien lourd. En vrai, je les voyais pas lâcher DeRozan, en tout cas lâcher leurs assets et partir dans du tanking, clairement. Tant que Pop était là, moi je me disais que tant que Popovich était là, ils allaient pas le faire. Lâcher de Rosanne, pourquoi pas? Mais ou lâcher un ou deux. Mais putain, ils avaient quoi? Ils avaient 45 millions, un truc comme ça? 45 millions, 6 arrières. Bonjour, je voudrais un poste 4. Bonjour, je voudrais un poste 5. Vous cherchez un meneur, vous cherchez un arrière? Tenez. Ah bah oui, mais bon.
Écoute, ils ont repris, ils ont pris un poste 4, ils ont pris Zach Collins. Après, le problème, c'est que c'est un poste 4 qui joue 3 matchs par an. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont pris McDermott, hein, qui a poste 3, mais qui jouera 4. Qui en jouera 4 aussi, ouais. Non, C'est à peu près aussi cohérent que. Je crois que même DeRozan en 4, c'est plus cohérent. Hein. Pourtant, j'adore Doug, hein, il est passé chez nous. C'est pas la question. C'est quoi le projet? Même nous, on a plus de raquettes à Chicago. Ouais, je sais pas ce qu'ils font. Je comprends pas ce qu'ils font là-bas. Je vais même en penser le clou. Je préfère le backcourt des Pels au front court des Spurs. Oh putain. Et pour moi, il est là le problème. On en arrive à se dire ça. Pourtant, c'est pas comme si c'était un nouveau GM. C'est Archie Bufford. Le mec, il a fait de la magie pendant 15 ans. Et Ah non, mais c'est. là c'est incompréhensible, et surtout je pense que là on est sur une phase où Pour moi, ça veut pas tanker parce qu'il y a encore Pop. voilà, ça veut pas tanker, mais ils vont être nuls. Ça veut Enfin, offrir la meilleure sortie possible à Pop. Mais ah, ils vont être là, ils font nuls. des. Je crois que c'est Doc qui disait ça quand on en discutait, mais ils font que des mauvais choix depuis le départ de Kawhi. Oh oui, non mais ils font de la merde, et d'ailleurs ben c'est un très raccourci, mais en fait, là, le deal de Kawhi, il se finit en Thaddeus Young et Alpha Okaminu. Hein. C'est, on va très loin, mais Oui. c'est la Je lignée suis pas toujours fan de faire Je ça. suis pas. Bah, c'est un peu bâtard, mais bon, Kawhi, il est toujours à son niveau de superstar. Enfin, je ne comprends pas un truc qui se passe 15 ans après, quoi. On parle encore du mec dans son prime. Après leur vente de Kawhi, c'est pas si débile. De toute façon, ils voulaient partir. Oui, ils Eux, ont ils pas eu le voulaient pas choix. renforcer quelqu'un de la conférence Ouest. Hein. C'était qu'il y a trop... enfin, c'était qu'il y a 3 ans, hein. C'est ça commence pas si vieux que ça, hein. Mais c'est en fait c'est tout ce qu'il y a eu autour. C'est ça le problème Bah, pour moi. depuis il y a que de la merde, depuis il y a que de la merde, et Mais je pense qu'il y a il y a clairement un truc de cassé depuis la blessure de Kawhi. ouais. Je sais pas tant si c'est du côté d'Archie Bufford, de Pop, de plus global, mais un truc qu'on s'est pas rendu compte sur le coup, mais qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille, mais Tipeee. On lui proposait plus ou moins le même rôle Charlotte. à Charlotte et aux Spurs, et qui préfère partir à Charlotte. Ouais, c'est quand même bizarre. Mais je crois, de toute façon, il s'est déjà exprimé plusieurs fois dessus. Hein. Mais oui, il y a eu un, il y a une Il certaine y a quelque pression, chose je de pas pense. clair dans l'histoire. Je continue toujours à penser que Kawhi est un joueur de basket magnifique, mais une putain de diva qui j'ai envie de mettre des baffes. Oh, c'est un con, franchement. J'aurais pas dit con. Je pense qu'il est. Il est mal Comment dire conseillé. ça? Bah, il est. Bah, ouais, je pense qu'il est très influençable et qu'il est très mal Ouais. conseillé. D'ailleurs, il a tout. C'est un peu béni, oui, si tu veux. Tu vois, pas. Il est pas méchant dans le fond. Mais voilà, c'est quelqu'un de très manipulable. Kawhi qui n'a toujours pas re-signé d'ailleurs. S'il le re-signe, normalement, Oui, mais. mais a priori, il va re-signer. Mais il prend son temps quand même, hein. On est. Il Les prend toujours son temps. Genres de cette stature, c'est pas censé signer au bout de 5 ans. Hein. Et si c'est pas cette nuit, ça va commencer à faire long quand même. Bah ouais, mais qui a la place pour le prendre Non, mais y a sans plus. sign and trade? Bon, je crois qu'il n'y a plus personne. De toute façon, tout le monde sait qu'il va. Enfin, je pense que tout le monde sait qu'il va rester. Je pense qu'il va rester. Ça se voit tellement qu'il veut. Que Kawhi, ouais, il a envie de jouer à Los Angeles. De toute façon, c'est un Californien. Il est proche de là où il a grandi et tout. Ça se voit. Ça Oui, se voit. bon, ça je peux Non, mais de comprendre, toute façon, il était retourné, il est allé aux Clippers juste pour. Enfin, pour une des grandes raisons pour laquelle il est allé aux Clippers, c'est totalement ça, puisque il n'y avait rien de concret en termes d'effectifs aux Clippers à ce moment-là. Il y va parce que c'est un Californien, donc je pense qu'il va re-signer. mais. Oui, enfin il y va parce que il est Californien et parce qu'il a obtenu du FO de signer d'avoir au moins Oui. Polo. Oui, après, il a appelé Paul George, il lui a dit, viens jouer avec moi. C'est sûr que c'est. Ah, moi je n'avais pas entendu ce sens-là, moi je l'avais entendu. Balmer, là, tu me signes Polo et si tu signes Polo, je signe chez toi. Sinon, si dans 15 jours c'est pas fait, je re-signe à Toronto. Oui, c'est possible. En tout cas, il y a un papier qui est sorti hier ou il y a 2 jours, ou peut-être même aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais plus. Mais en fait, ce qui s'est passé apparemment, c'est que Russell Westbrook a appelé Kawhi Leonard pour jouer avec lui à Los Angeles d'ailleurs, je crois, puisqu'il voulait partir. Parce qu'en gros, Russell Westbrook, le sentiment qu'il y avait, c'est qu'il voulait pas être dans la situation qu'il a eu à Houston où James Harden et lui
C'est Harden qui a pris les devants, qui l'attège. Donc apparemment il a appelé Kawhi Leonard. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Kawhi, il a entendu ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé Paul George pour lui dire, viens frérot, on joue tous les deux à Los Angeles. C'est le dernier papier que j'ai lu qui est sorti, un très très long papier, ESPN je crois, qui est sorti aujourd'hui, il y a 2 jours, je sais plus, mais très très récemment. Donc après oui, clairement, si les deux ne signent pas, aucun des deux n'y va, je pense. Note, après, les deux trucs sont pas incompatibles. Il a peut-être la partie convaincre Polo, c'est peut-être fait comme ça, tu l'as dit. Et la partie Convaincre, enfin Ballmer de faire le team. convaincre Balmer de le faire. Oui. Oui, elles peuvent aller ensemble, il y a pas de, elles se contredisent pas. J'avais lu ce papier. En fait, je l'ai lu parce que du coup, comme Westbrook est arrivé aux Lakers, c'est un truc qui était ressorti. Puisque. Westbrook, qui est quand même le MVP, qui se fait échanger 3 ans de Ouais, suite. voilà, c'est ça. Et parce que Westbrook, Joli stat. Mais le c'est un. pire, c'est qu'il ne le mérite pas. D'être Tout le traité monde 3 se fois? fout de... Ouais, tout le monde se fout de sa gueule. Mais ça reste un putain de joueur quand même. Je suis désolé. Ouais. Ok, cette saison dernière, t'es pas ouf parce qu'il était un peu blessé, un peu. Mais je sais pas, quand on entend les gens parler, j'ai l'impression qu'ils parlent de Joel Clodo. Non, ça reste un ancien MVP qui a encore le niveau, qui fit mal avec 80% des équipes, certes, mais faut arrêter. On ne donne pas un contrat à 45 millions si t'as pas été un joueur qui le méritait à un moment. Bon, voilà, en tout cas, c'est la petite histoire. Puisque Westbrook, c'est aussi un. Bon, il est carrément monté à Los Angeles, il a tout fait à Los Angeles. Donc voilà, c'était la petite histoire qui était ressortie. Donc voilà, on a un petit peu parlé des Spurs et du bordel qu'ils font. On va faire un peu le tour des grosses signatures, des signatures importantes de ce premier jour. J'allais dire le tour des Français, moi, mais si tu veux. On peut faire le tour des Français aussi. J'allais parler de notre Vavane national. Bah, je vais commencer par lui, voilà, hein, qui signe 78 millions sur 4 ans au Knicks. Et c'est pas mal, même si je pensais pas que son poste serait la priorité des Knicks. Mais c'est pas un mauvais choix, c'est pas une mauvaise offre des Knicks. C'est plutôt malin. Alors après, les fans des Knicks restent ce qu'ils sont, surtout les fans américains, hein. Donc j'ai quand même vu partout que c'était mec, que c'était nul, que voilà, c'est pas avec ça qu'on allait progresser et qu'on allait être champion cette année. Non, mais ils ont Alors ils... heureusement tous les fans de New York ne sont pas comme ça. Non, ils ont été Après intelligents. j'avais bien aimé la réponse dans l'Américain justement sur un thread Twitter comme ça où ça trashait pas mal Vavan. Et qu'il y en a un qui a répondu, ah, en attendant, il y a démonté Team USA à lui tout seul. Ça m'a bien fait rire. Mais ouais, non, je suis content pour lui. En plus, c'est une franchise mythique. Puis bah, voilà, lui, il est aussi féru d'histoire NBA. Je pense que ça me fait vraiment plaisir d'être au Madison Square Garden. Mais en tant que joueur des Knicks, c'est un truc, en tant que joueur, mais même sans être joueur, en tant que fan de sport. Je rêverais d'être applaudi par le Madison Square Garden. Ouais, moi Et j'ai. pourtant, on peut pas dire que je suis fan des équipes de New York en général, mais c'est. Ça, bon, on m'a toujours dit, s'il y a un truc à voir, c'est Va au Madison, ouais. va au Madison, quoi. Non, mais c'est un bon deal pour lui. C'est un deal intéressant pour les Knicks aussi. C'est quand même un. C'est un joueur à avoir dans sa franchise. Voilà, c'est le mec. Ouais, faut juste pas en faire la première option. Voilà, c'est ça. C'est un. Il s'est attaqué le panier, il s'est tiré de loin, il s'est passé. C'est un défenseur correct. Voilà. C'est un bon joueur. Les Knicks, ils ont pas mal. Mais voilà, Ils ont re-signé. après, attention, je dis ça sans méchanceté. Mais ça reste un putain de joueur, un des meilleurs joueurs français qu'on ait eu en NBA. Oui. Mais voilà, pour moi, c'est une deuxième option. C'est un lieutenant. Et c'est déjà bien d'être lieutenant, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je pense même une troisième option, tu vois, perso. Deuxième, ça me paraît un peu ambitieux. Enfin, ça dépend de l'ambition de ton équipe, mais bon. Voilà. Deuxième dans une équipe type Orlando qui est 8-9, et Ouais. troisième dans une équipe qui vise Voilà, on les est cracks d'accord. 1 sur 4, on va dire. Ouais, on est d'accord. Voilà, content pour Evan Fournier. Ouais. Il y a quelques re-signs Voilà. vite fait. Mike Bah, il y a Conley. Batum aussi qui a signé aux Clippers. Batum qui a signé aux Clippers. Voilà. C'était attendu. Mike Conley qui a rempli 68 millions 3 ans au Jazz. C'était attendu. Oui, Rudy Gay au Jazz aussi. Rudy Gay au Jazz 1 an. Voilà. Chris Paul qui a signé son contrat aux Suns. 120 millions sur 4 ans. À Alors, par contre, tempérer. c'est plus qu'un an, Rudy Gay, hein. Ah, c'est 1 plus 1. Pardon.
T'es sûr que j'avais lu 2 plus 1, je crois. Attends, la petite recherche Twitter, tu vas Non, bien? c'est 12 millions sur 2 ans et il me semble que c'est une player option. C'est moi qui ai lu de travers, désolé. Non, Rudiger, c'est bien. J'avais compris ça comme un 2 plus 1, moi, en fait. Mais c'est moi qui ai allé trop vite. Non, c'est un 1 plus 1. Chris Paul qui a pris son contrat aux Suns, donc avec quatrième année pas garantie et troisième partiellement, voilà, donc c'est 120 millions sur le papier, mais ce ne sera pas 120 millions, je pense. Ah, ce qui fait qu'on est passé de putain, mais ils sont cons les Suns, ça. Bien, wesh. En Et fait, ça puis va. encore une fois, comme je disais, même s'il fait, imaginons qu'il fait les 4 ans à 30 millions, s'ils ont ne serait-ce qu'un titre ou qu'ils refont une ou deux finales, c'est worse. Totalement. C'est les Suns, tout le monde. Ils étaient là pour qu'on se foute de leur gueule depuis 10 ans. Il arrive, il est remis sur la carte. Rien que ça. C'est aussi en construisant comme ça un truc de la victoire, peut-être qu'ils sont pas champions sous Chris Paul. Bah Mais oui. si avec Chris Paul, ils arrivent à être 2, 3, 4e régulièrement. Ben tête des joueurs, c'est ouais, ben, ça les régale, c'est quand même une équipe qui gagne. Tu vois, un peu de la même manière que l'an dernier, leur série dans la bulle de 8 victoires les a fait être pris plus au sérieux. Ce C'est qui ça. fait que voilà, Paul n'a pas imposé son veto, son trade. Et puis bah, une fois qu'il y a Paul, Jake Roden, moi il y a pas, je sais que c'est Alex de Trash Talk qui disait ça, mais il n'y a pas Chris Paul, il n'y a pas Jake Roden. Ouais, je me souviens ce qu'il dit souvent. Donc voilà, et puis après quand t'as une culture de la gagne, t'as plus forcément besoin des noms, parce que, ouais quand même, bah, comme les Spurs pendant longtemps. Les Spurs, ah ouais, putain, sa chance d'aller en playoff, 50 victoires, etc. C'est ça. Il y a eu quelques autres. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont retournés dans la franchise. Tim Hardaway Junior, Will Barton, Norman Powell qui a re-signé, 90 millions 5 ans. Bon, on va pas tout énumérer. J'ai deux points vite fait. Alors, un petit rapide avec. Parce qu'on peut pas évidemment parler de tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de signatures, mais on fera par la suite, quand la free agency sera finie, peut-être un. Quelques focus sur certaines équipes, voilà, je pense qu'ils le mériteront. Ouais, ou alors, au pire, on fera toutes les signatures, on en fera un rap Bon. et... Va falloir être créatif. m'étonnes. Jarrett Allen, quand même, qui s'y re-signe pour 100 millions sur 4 ans. Ouais, je trouve ça un peu... Je continue de trouver ça un peu cher pour un Ouais, éboueur, moi. voilà. Donc, voilà, perso, en tant que fan des Caves, je me dis que. On a voulu prendre les devants en les proposant un contrat, genre tu vois gros, on montre qu'on a confiance en toi, etc., qu'on compte sur toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu, je pense, une offre qui viendrait de quelque part et qu'on a balancé direct les 100 patates. Je pense que ça s'est passé comme ça. Après, voilà, le truc qui fait que ça me dérange plus que Rudy, à l'époque où Rudy signe son contrat, un peu le même genre de contrat, Ouais. c'est que Rudy, le Jazz avait déjà repris sa marche en avant, beaucoup plus que les Cavs. Ah oui, Donc, c'était obligatoire. je crois que c'est Doc qui le disait, ou si c'est pas quelqu'un de l'équipe, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas grave, honneur à lui. C'est que comme le Jazz avait déjà repris sa marche en avant, tu pouvais pas te permettre de le lâcher. Donc il Oui. fallait le surpayer. Là, les Cavs auraient pu temporiser. Maintenant, s'il croit vraiment en lui, s'il croit que ça peut faire un Gobert éco plus, voire un Gobert tout court, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'en Il a. plus, comme tu dis, ils montrent aux joueurs, frère, on croit en toi. Voilà, il a ce potentiel, il progresse tous les ans. C'est un joueur que j'adore et je pense que le front office, on est arrivé à un stade où ils n'ont pas temporisé parce qu'au bout d'un moment, tanké pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a marre. Il y a des ambitions. Je pense que jouer le play-in cette année, c'est l'ambition affichée par la franchise. Bon, de toute façon, si il évolue encore et qu'il devient de plus en plus bon, son contrat dans 1 an, 2 ans, ça se trouve, on n'en parle plus et on se dit voilà, Oh ouais, mais bien sûr. il est payé à sa juste valeur. Maintenant, c'est vrai qu'à l'instant T, je suis d'accord que ça fait un peu beaucoup. Je demande à voir. Je demande à voir. Mais d'ailleurs, en parlant des Cavs, quid de la doublette Sexland, ça parlait fort d'un départ de Sexton à un moment quand Ben, même. ça parlait fort d'un départ de Sexton et ça s'est un peu tassé depuis. Je pense que le front office n'a peut-être pas envie de le payer en fait par rapport au tarot qu'il va demander parce qu'il va sûrement être pas loin d'un max hein, parce que
Ben, mine de rien, il stat quand même plutôt bien, l'enculé. Il stat quand même plutôt bien. Je pense qu'il va demander un gros tarif et je suis pas sûr que le front office ait envie de le payer autant. Après, j'étais un peu surpris des rumeurs à la base parce que quand il a été drafté, c'était le coup de cœur. Et pendant 2 ans, malgré les coéquipiers qui disaient que il prenait trop la balle, qu'il acceptait pas les conseils des vétérans, bah, le front office l'a toujours descendu, il l'a toujours défendu, a toujours cru en lui. Donc je sais pas trop. Ça s'est calmé. Moi, à terme, je préfère qu'on le trade parce que je pense pas que c'est une pièce d'une équipe qui a des prétentions pour aller un peu loin en playoff. En sixième homme. Oui, ou en 6e, voilà, il sera trop cher pour ce. Moi, je le compare. Après, moi je veux pas que vous y touchiez parce que le nombre de doublettes me fait marrer. De toute façon, moi, je le compare constamment à Monta Ellis. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui trop fort pour être sur le banc, pour être des sixième hommes, qui avaient un gros talent individuel, mais collectivement, ça n'a jamais vraiment cliqué dans leur équipe parce que bah, ils n'ont pas un jeu qui colle. C'est des mecs qui bouffent quand même beaucoup la balle, qui prennent beaucoup de tirs, mais qui sont pas au niveau d'un Iverson, par exemple, dans ce registre. Donc ça colle pas. Je préfère Et qu'on. encore, Iverson était vraiment valuable que quelques années. Voilà, et même Iverson, ça a été dur. Moi, je préfère qu'on le bouge, qu'on installe Garland, Okoro à côté de lui, un autre poste 3, la raquette Mobley, Allen. Voilà, moi, à terme, je préfère ça. Je sais pas dans quelle direction le front office va se diriger. Moi, c'est surtout pour les trucs que j'entendais. C'est limite, tu donnais deux pépitos et un verre de lait. Limite, on vous aurait fait l'offre qu'on a fait pour Ball. Vous dites, allez, vas-y, prends. Bah ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, j'avoue, je sais pas trop quoi en C'est penser. ça que j'ai pas trop compris, mais. Moi non plus, hein, par rapport au love du front office sur Sexton depuis sa draft, c'était un peu contradictoire, mais bon, peut-être qu'ils ont changé d'avis cette année, je sais pas. Dernière équipe importante, enfin avec le. Enfin, oui, importante, avec Miami qui chope le gros poisson, un des joueurs où on était sûr qu'il allait partir de Toronto, Kyle Lowry. Silent trade, voilà, avec contre Goran Dragic et Precious Achiuwa, si je me trompe pas. 3 ans, 90 millions. Oui, c'est ça. Il était linké à Miami quand même depuis un moment maintenant, depuis la trade deadline même d'ailleurs, je crois. Donc c'est pas énorme. Ah, regarde, tu vas par là. DeRozan était linké à Miami aussi. Hein. Ouais, après je trouve. Moins, mais. Ouais, moi je trouve ça tenait plus de la lubie. Bon, faut voir la gueule de l'offre qui aurait été faite, mais. Ouais, non mais Kyle Lowry, on savait que Miami c'était un gros gros prétendant sur le dossier, ça fait un moment qu'ils en parlent. Donc ça c'est un bon pick-up, mais c'est parce qu'ils ont quand même aussi signé PJ Tucker, 15 millions 2 ans, c'est quand même une putain de recrue, je trouve. Et que ce soit, d'ailleurs que ce soit lui ou Kyle Lowry, c'est tellement des joueurs qui fitent dans cette mentalité du hit. C'est quoi, c'est les quasiment deux des 10 plus gros chiens de la NBA, franchement, en défense, Kyle Lowry et Ouais, tu PJ vois, mais Tucker. pourtant, je suis passé dans le topic du 8. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui ouais, c'est pas ouf. Et puis en plus, on a re-signé Butler, hein, il commence à baisser. Ah, par contre, clairement, il y a un gros. Le hit, ça va être si ça clique, on n'a pas de. Si ça clique, ce qui devrait arriver, je pense, et qu'on n'a pas de soucis de blessure, Il va bah falloir s'effader, ouais. c'est nickel. Mais alors, clairement, Kyle Lowry, c'est injury prone depuis un moment. Jimmy Butler, il arrête pas non plus. Bon, on bougeait Dragic qui était comme ça aussi. Enfin, ça commence à faire quand même deux de tes trois joueurs les plus importants qui ont des soucis de blessure. Ils ont re-signé Duncan Robinson à un tarif quand même assez exorbitant. Ils ont re-signé Le Jimmy. gros contrat pour un joueur non drafté, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont re-signé Jimmy Butler, là, un contrat mais énorme. Les finances du Heat, là, sont bloquées. C'est fini. C'est fini. C'est bloqué, c'est dans la terre. Ce groupe, ce 5 de départ, risque de pas bouger sur les 2-3 prochaines années. À part Ouais, peut-être. alors le nombre de fois j'ai entendu dire, ah, le 8 est bloqué, qu'est-ce qu'il a encore fait pas trailer? Et qu'il te sort des trucs de l'espace. Ouais, mais il est. Toujours se méfier de Patraille, il y a toujours un Ouais, clou dans sa c'est manche. sûr. Après, il était bloqué avec des joueurs moyens. Parce que je pense au truc avec les Dion Waiters et tout. Là, franchement, Kyle Lowry, Jimmy Butler. Bah, Oui, non, putain. voilà, il est passé de bloquer avec des joueurs moyens à tout aussi bloquer avec des Voilà. bons joueurs. En tout cas, il y a clairement un. Il y a clairement un. Je vais pas dire un one shot, mais. Voilà, ça joue la win, la Miami, ça rigole plus. C'est la revanche à prendre sur l'an passé.
ils ont pas fini leur free agency encore, mais bon, tu vois, Dewayne Dedmon qui est venu, ils ont signé Vincent là, c'est Gus, je crois. Non, Gabe Vincent là au Après, de poste toute façon, 2. c'est complètement hein, qu'il leur faut. Voilà, Alors, ils ont leurs des. 5 qui l'ont, c'est du Bah lourd, voilà, hein, c'est très ça. très lourd. Hein. Ils ont déjà pas trop mal complété leur banc, je trouve. Il leur reste un peu à compléter un peu la raquette qui est un petit peu faiblard, surtout au poste 4. Mais voilà. Le. Voilà, moi je serais joueur, je me dis, bon, on joue le 8 ce soir. Ouh, je sais pas, j'ai mal au ventre là. Ouais, voilà, le Heat, ça va être une équipe bien casse-couille. Mais voilà, bonne free agency, je pense, il faut le noter. Oui, oh, on va quand même peut-être garder un petit mot aussi pour nos amis de Philadelphie. Ah bah, finissons sur cette masterclass Philadelphie avec le Ah, jeu. je pense qu'ils s'ennuyaient d'être largués dans le concours du FO le plus stupide, loin derrière les Kings et les Pels. Bon, on va signer des dés, hein. Le génial André Drummond qui, rappelons-le, il y a 2 ans, se disait qu'il allait ramasser un putain de contrat max à la Free Agency. Voilà. On l'attend On toujours. l'attend toujours. Franchement, Drummond, avec tout ce qu'il a vécu avec Joel Embiid, Voilà. ils se font chier dans le vestiaire de Philadelphie, je pense quand même, parce que... pour ceux qui savent pas, qui vivent peut-être dans une grotte, Joel Embiid et André Drummond se sont rentrés dans la gueule sur les réseaux sociaux plusieurs fois au cours de ces 4-5 dernières années, on va dire. Puisque ça date surtout de quand Drummond était à T3 en vrai. Et Embiid l'a massacré sur le terrain à chaque fois. Et Oh, du pas que sur le terrain, sur et Twitter aussi. Hein. coup, comme c'est Embiid, il l'a remassacré après chaque match dans les médias, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram. Il C'est quoi a qu'il a dit pas qu'il était arrêté. nul parce qu'il était soft ou Ah un mais. truc comme ça Non mais il a et dit. qu'il avait mis des buildings dans sa tête? Ouais, il a dit plein de trucs. Il a dit j'ai des. Ouais, j'ai. Parce que c'est real estate. C'est genre. J'ai des parts de building. Enfin, j'ai des. Enfin voilà. Il dit. En gros, il dit qu'il est dans la tête de Drummond. Il s'est foutu de sa gueule tellement fort. C'est vraiment exceptionnel, cette signature. Ils se font chier. Ils se faisaient chier dans le vestiaire, c'est pas possible. Oh, au moins ça peut nous assurer du spectacle. Hein. Ah ouais, alors à l'entraînement, on Ouais. va avoir des histoires comme quoi ils se sont rentrés dedans à l'entraînement là, ça risque d'être marrant. Ah, on verra s'il y en a qui sont bons pour la boxe. Hein. Non, Bientôt de toi. en vrai Regarde. ça s'était tassé en vrai depuis 2 ans, enfin depuis Drummond est nulle Bah oui, que part. depuis que Drummond ne sert plus à rien. Voilà, ça s'est tassé, il a compris quand même qu'il se faisait rouler dessus et que ça sert à rien d'ouvrir sa gueule. Non, puis oh, un peu de bordel dans les franchises, c'est drôle, C'est hein. toujours drôle, ouais. C'est pour ça que moi j'aimais bien les 90s avec Tonton hein, qui trouvait toujours quelqu'un qui s'embrouillait, quitte à s'embrouiller avec ses joueurs, hein, lui. Voilà, c'était la petite touche marrante pour finir le podcast. Voilà, notre ressenti, notre analyse, nos petits résumés de cette première journée. Voilà, donc on va se retrouver peut-être pas dès le lendemain pour le deuxième jour, mais d'ici quelques jours, quand les quelques autres sign et resign se seront décantés, quand Kawhi prendra cette décision. Il y a encore quelques bons joueurs sur le marché. Hein, Spencer Dinwiddie est linké vers les Wizards, mais c'est pas encore fait. Il reste Danny Et Green. cherche à monter à 5 trades, je crois. Ouais, voilà. Il reste Danny Green, Dennis Schroder, Victor Oladipo. Voilà, il reste quelques joueurs sur le marché. Kelly Oubre encore. Voilà, il reste quelques joueurs sur le marché. On en reparlera le moment venu. Ouais, Schroeder, encore un qui va regretter d'avoir refusé l'offre qu'on lui a fait. Ouais, exactement. rien à rajouter, c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. Et ben parfait. Bonne journée, bonne soirée à tous et on se retrouve à la prochaine. Salut! Allez.